Bobby. Bon, 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 opération filet manchette lancée dans tout le pays pour combattre gang criminel kidnappé yo. Divers quartiers getan mobilisé, yo acheté manchette yo, yo filet, yo obtenu kile bandi yo apparaît pour ka simé manchette sous bandi criminel qui voulait faire au courir quitter quartier yo. Yo l'autre bord bandi avec gros âme débarqué dans sous commissariat Mayotte là, yo mettez dit la donne. Cette population chaud, yo pa konn ki sa pou fè, y ap kouri mouti, y ap kouri descend, kite kayo, yo panike. Mes amis, c'est gang vite l'homme yo k'ap frape en lè nan Mayotte. Entre temps, n'a pas konnen institution PNH la sorti yon sikile important pour tout policier qui actif, ni sa tout qui fait abandon poste qui pa jam vin travay. C'est yon l'idée pour k'ap protéger institution pour k'ap gen contrôle tout policier qui pa la. Rete gade vidéo ça jusqu'à la fin, parce que nous pourrons le dire qui ça va galayer. Nous demandons pour abonner avec Chanel Production 79 là pour ne pas rater une vidéo que nous avons pour laguer sur Chanel. Si le proverbe qu'on l'a dit comme ça, dans le cas de Maï, nous contrôlons le bougon. La population remarque l'État n'a pas de sécurité. Yowé, Bagala vin empirer de jour en jour. Bagala vin pas bon dit tout, c'est tout koukoui clairé pour jeu. Depuis plusieurs mois, gen bay sa nan pays ya. Tout koukoui clairé pour jeu. Population remarqué, yo wè population, population wè la police pa ka bay sécurité, yo obligé utiliser une stratégie pour ka camper goumé ak bandi criminel kidnappé ka près de faire koui ki te kayo. Imaginez on quartier grand moun levé la donne depuis 2000 tout si moun levé les grand moun fait bab les gen plusieurs petit dans zone là yo bonjour bandi débarqué pour café au courir ça yo trouvé ça son bail qui désrespectant pas la police qui ba en sécurité yo obligé acheter manchette yo filer debo pour ka camper goumé avec bandi criminel kidnappé sans foi ni loi gen gati gen plusieurs quartiers dans métropolitaine là qui décider lancer yon gros opération qui est le filet manchette pour ka camper goumé avec bandi yo. Pour manchette moi ouais population qui est nan yo m'a demandé depuis qui l'est yo te acheter manchette ça ou bien tout est-ce que acheter yo fait acheter manchette là parce que pour manchette moi ouais à tête ka filet quoi me souvle population semblé qu'on se réveillé semblé esprit de saïnan dans la tête yo c'est ça me t'a dit mes amis selon plusieurs citoyens qui décide filer manchette yo pour mettre là pour pas retendre bandi yo qui vient dans zone vient kidnapper moun qui vient dans zone vient mettre la caillou qui vient dans zone pour faire courir qui des zone là je fais connait l'état avec bandi c'est poisson crasé dans bouillon que yoyé c'est cocotte à figaro c'est cabri tomazo même plim avec yoyé je fais connait c'est yo qui pour prendre responsabilité pour ca protéger famille yo pour qu'à protéger zone yo parce que c'est yo qui nan peuple là c'est yo qui a souffri c'est yo qui a perdu couri qui te caillou c'est yo qui a victime de jour en jour peuple là fait connait bandi yo gen zam yo même yo gen manchette bien filé et ceci manchette filé tout de bon y a paraît tant bandi yo qui vient faire couri qui te zone là mes amis yo wè l'état n'te ka di absent non presque zone non presque toute zone dans pays d'Haïti l'état absent majorité policier yo c'est leur cortège PM Ariel Henry qui oyé majorité policier yo c'est business grenade y a surveillé majorité policier yo quitté zone quartier populaire yo de façon parce que bandi qui étant occupé zone ça honnête c'est raison pour laquelle population qui remarque bagay ça yo lancé opération filet manchette tout de bon pour camper goumé pour qu'à camper tant
bandits criminels qui viennent kidnapper dans la zone, qui viennent faire courir dans la zone. Est-ce que nous songeons? Moun fait mat, population a été déjouée, yon kidnapping, yon te même rivé, tout yé, yon nan ki criminel kidnappé yon, à coup de manchette. Et puis, yon saisi zam qui te nommé kidnappé ça, avec machine nan, yon remet li, ben la police, sa son façon à moutou la, si population vle, tout moun vle, depuis gen volonté, depuis yon pas capon, yon pas lâche, depuis yon pas père mouri, yon ka combat bandit criminel kidnappé nan pays d'Haïti, parce que population publis qui détruit ti grand bandi qui gen zam nan men yo. Mes amis, dans commune Pétionville, bagay la vin empiré. Trois frappes plus. Nan meyot, bandi vite l'homme frappé. Et ceci, nego fè gros frappe sous commissariat meyot la. Yo boule platate. Bandi vite l'homme yo frappé. Et la police pa kanpe. Face bandi vite l'homme yo. Tellement, nego vin apren pied sous commune Pétionville. Mes amis, hier là, gen SOS kap lancé. Raison pour laquelle bandi vite l'homme yo débarqué ayer mercredi a aux environ 5h30 dans après-midi. Selon témoin okile yo, bandi vite l'homme yo débarqué dans trois machines plaque service de l'État, yo tiré sous antenne police là. Même sous ce qu'avait nous connaît, yo ven connaît pas de policier qui était dans antenne police là. Yo tiré à tout pas de policier là-dedans, yo tiré et puis tout, yo descend à mettre du feu dans poste police meilleur là. Yo brûler rapidité. Population senti yo paniqué, la vie yo menacé, yo en danger tout bon vrai. Quand la marée 14 dans meyo, yo obligé courir quitter caillou bay bandi. Mes amis, jusqu'il est là, suspend courir. Comme gagne opération filer manche tout de bois pour camper tant bandi yo, que tout monde prend responsabilité yo, acheter manche nous filer pour ka camper goumé face bandi yo. Bandi vite l'homme yo, nous connaît ça pas respecter l'état. Nèg yo mette la tout blay, yo façon pour ka faire pression sur gouvernement Pierre Ariel Henry. Mais tout, c'est population ka victime. L'il est temps pour nous suspend courir devant bandi. Parce que la population plus que les bandits qui ont des armes dans les mains. Les bandits vite l'homme pour contrôler Pétionville pour l'INET. L'État pas dit rien. Fonds de pas dit rien. Mes amis, on garde qui j'en s'atterrit en l'air dans la commune Pétionville qui j'en la bandit qui a mis des feux dans le sous-commissariat. Mais on va retourner après pour nous avoir plus de précision sur ça ou pas garder là. On garde à la petite poste là exactement. Yo mette di fe, yo mette di fe la dan. Bon, bat gita gite di fe si te gen polisye nan ti posta. Paske, même mwen mde manke victime. Mkwa zane gyo bap pou bap. Se paske mde sou moto e bon piem ki sove mwen. Sa yi di mpa ka desen, ba on ki jat di fe gita bwena tout ti posta net. Alors, on file là.
dans tout nèg qui dans bois abri pas gen moun ki nous filer avancer. A filer bon temps dans boulot. Nous sot garder qui Jean Bandi Vitelom yo boulé rapété sous commissariat Meyot là. Mes amis, bagala grave, bagala indigné, bagala indigné. Bagala tellement indigné là, c'est un mélange dans mes moun Petionville. Parce que c'est Vitelom qui a tout droit ça pour mettre diffé dans yon antenne police comme souvli. Ces populations la joué la tête psychologiquement avec policiers. Nous connaissons, depuis bandi yo gen contrôle yon zone, yo souvent utilisé antenne police qui gen dans zone nan yo boulel. Yo fase pour faire pression sur population avec policiers yo pour si toutefois yo ta gen idée pour tourner dans antenne police ça. Ça c'est yon négatif, ça c'est yon tactique yo utilisé comme ça. Mes amis, question qu'a posé. Qui sa Friends LB dit nan cause ça? Qui mission Friends LB gagne pour gang criminel kidnapper sa yo pa prend pays à net nan men l'état? Et puis tout question qu'on va poser avec Friends LB côté opération Tornade 1, qui ça k'ap régler, qui ça qui fait nan opération Tornade 1 côté police sa yo ye côté Chablende Timagalil? Nous t'a remis côté dame connait côté que ça a passé parce que ça te comme ça bien frappé Britsoukou. Nous vinn battre avec ça encore, qui ça qui passé? Mes amis, réponds nous c'est question qui a posé. Nous t'a remis jeune réponse. Mes amis, porte parole police là dit population côté opération Tornade 1 yé, est-ce que li pas là ou bien tout nous bay vague? Si nous bay vague, puis nous dit population prend responsabilité yo, acheter zam yo, acheter machette yo pour ka camper goumé face bandi criminel kidnappé yo. Mes amis, nous pas capable encore. Population pas gen force assez pour courir devant bandi encore. Il y a le temps pour nous camper goumé face bandi criminel kidnappé yo parce que l'état à cause de ce que yo fait là, yo clairement dit tout coucouille clairé pour yo devant tête tout Jean capable. Mes amis, la fois qu'on est direction générale police là mettez yon circulaire de yo pour tout policier à la ronde bade. Yo mande tout police sa yo qui parti quitter pays a, te ka di ki gen idée pour parti quitter pays a, pour remettre tout matériel service yo avant yo déplacer. Et puis tout yo di gen gros sentence captain yo. Le mba de matériel là, m'vle parler des armes, uniforme, badge, bot police là, gilet pa bal, gilet nous connaissons remettre sous yo kepi et la trier. Sinon yo fait qu'on est gen gros sentence kapretan yo selon la loi. Et puis tout yo fait qu'on est tout tout policier qui fait abandon poste, qui pa jam vin travail, qui rete a faire chelbe avec matériel police là, direction générale police là fait qu'on est yo ba yo yon délai de 15 jours pour porter tout matériel ça yo remettre. Et puis, il a précisé, dès que ça a commencé depuis 3 avril qui se passe là. C'est ça qu'on fait connaître. Bref, pour moi, je me dis, c'est une bonne idée, c'est un bon circulaire qui remet de là. Ça a été fait depuis longtemps, depuis le PNH est sous pied, ça a été supposé être rendu public. Et tout, il a supposé écrit dans l'ordre qui est négatif dans l'autre disciplinaire police là. Des fois, ou a quitté pays à pouvoir voyager, aller dans l'autre pays. Ou t'as supposé remettre matériel là pour l'État qui contrôle ce matériel. Yu. Ou même tout qui va aller travailler, ou faire abonner au poste, ou t'as supposé utiliser, même avec Alberson Gouin TFA, il n'y a pas de poste là encore, il remet tout matériel qui est pour avec ça, la poste de Bali, il remet tout dans la direction générale police là. Les amis, si que ça bon, mais après tout c'est pas là quand la fin passé là et laisse à tout direction générale police là après les fermer barrière concernant pour la police pour PNH là. Si toutefois dès ça t'a dépassé, il t'est arrivé dans bout li policier ou pas porter matériel vini, nous supposé sorti yo on sort des avis de recherche pour tout policier sorti non avec toute photo yo pour qu'a dit mais tel, ou va venir travailler, ou faire abonner au poste, matériel poste qui n'a pas là, pour tel tourner.
Sinon, nous mettons un mandat, râler, mener, venir dehors pour connaître qui ça qui passe, à qui intention, ou qui est matériel pour ça. Pourtant, ou pas jamais, venir travailler. Mes amis, ça sont conseils que je vais vous partager la vidéo, faire vivre jeune France LB, pour France LB qui a joué un conseil que ça, que je vais vous donner, parce que là, bon, pour l'institution PNH, là, parce que nous, l'élitant, pour nous avoir l'autre police. Il y a une police qui contrôle toute police qui travaille, toute police et tout, qui fait abonner au poste. Mes amis, c'est toute information que pour aujourd'hui. Allez, rendez-vous dans la prochaine émission pour nous venir traiter un autre dossier. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça. Faites-le rejoindre vos familles, vos amis. N'hésitez pas à like channel qui c'est Production 79 là pour les longues vidéos sur lui pour ne pas rater. Allez, rendez-vous dans la prochaine émission. Meilleure son localité dans la commune de Pétionville. Et te gan pile coup de cartouche et mon quoi tout yo metti di fait dans sous-commissariat. OK, c'est m'a cherché vérification ça selon ça quelques moun dans zone nan tava di mwen et m'a apprendre ta metti di fait dans sous-commissariat mais c'est la pliarik qui t'a pas une baille moun yo on ti campé et te ba en souffle c'est la pliar qui fait les yo courir mais te gan pile cartouche et pile te gan pile de blousaille. Zone meurtre là t'es extrêmement mouvementé, t'es chaud en pile pendant journée. Hein. Monsieur la pluie à bord 5-6 heures là, la pluie a même il tombé en pile, il tombé en pile, en pile en pile. Bon, dénoncer ça très rapidement. Moi bah, alors on va dénoncer et pas dénoncer non, on va tirer attention autorité yo, on va tirer attention autorité yo. Moi mon message qui gagne 8 heures de temps sur Facebook ou bien vidéo, vidéo a gagne 8 heures de temps. Cap qu'il est là son opération m'a regardé côté moun a filé manchette par contre dans qui zone en Haïti moun y a filé toute qualité manchette bon manchette ti manchette manchette tout neuf manchette citoyen offert on va dire attention pouvoir en place là sous ça si nous voulons qu'a partager vidéo avec nous pas quitter pays arrivé là. Quitter haïtien arrivé là nous pas qu'arriver là ouais depuis ouais ça me garder à dire c'est citoyen qui décider faire brigade c'est citoyen qui décider bail tête de justice est-ce qu'on est aujourd'hui à la n'importe au prince là n'importe au prince là gain des zones depuis 8h du soir pas que monde passe là-dedans yo pose toute question. Est-ce que nous connaissons dans Haïti, chéri, nous avons des dizaines d'années, nous avons vécu là-dedans, nous avons des zones aujourd'hui, depuis 8h du soir. Je prends mon laza depuis 8h du soir, je ne vais pas passer là. Vous mettez en scène là même. Pour nous, nous avons contrôlé la situation. Si Nebdel peut t'apprécier, il mourit. Moi crois aujourd'hui à l'international là le pouvoir en place l'état actuel là nous devons côté pour nous prêcher vivre ensemble là. Hier soir nous dit dans boucanter la parole faut que nous joignons une solution rapide avec ça qui là nous pour comparer pour nous faire guerre civile. Nous pour comparer pour haïtien une sécurité tête yo faut que l'état parle plus son l'état nous qui bébé son l'état pas décidé parler son l'état qui disparaît son l'état qui pas existé qui sera réglé nous pas connaît ma plan ça appelle ça vidéo ça moi ouais sur les réseaux sociaux moi paye en pile il n'a fait brigade n'importe monde qui a victime n'importe monde qui a victime n'a fait brigade Andy ti Joseph gon problème la nuit faut gon monde qui déplace avec elle mais Andy c'est des zones côté mettez debout par moun zone nan gon leur pas de passer c'est route ça pour nous faire pour aller à l'hôpital
On dit une femme enceinte qui est tranchée dans la nuit. Il y a des zones faut le passer pour atteindre destination quand il souhaitait aller soigner madame. Parce que l'État doit intervenir vite, l'État doit agir vite, de déployer toute façon nous pour nous joindre une entente, pour nous joindre une solution à ça qu'il a journée aujourd'hui. Je voulais juste attirer attention autorité en d'un pays ya sous vidéo ça côté citoyen yo yo mettez yo dit l'état bandit c'est cocotte à Figaro yo dit l'état bandit c'est dégoudé à 50 cob hein allez yo pas fait l'état confiance qu'on nécessite aujourd'hui ya pour nous reprendre confiance population. Après me fin garder vidéo ça. Noël et me partager là avec nous. Partager là avec nous. Son citoyen que les Patrick Millien me partager. Par contre dans qui zone opération ça fait. Et certainement les mêmes tout, c'est attirer la attention l'état. Côté citoyen yo a filer manchette. Abfile couline, yo dit l'état faille, l'état pas existé, yo même faut bay tête yo justice. Justice dit là attirer attention moun ki dans l'état. Premier ministre ça jusqu'à moun ki pi bas dans l'état. Jusqu'à moun ki pi bas. Jodi a pas gen parlement. Il y a seulement deux pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif qui a boité qui sous béquille. Vous cantez la parole parce que nous partis sous plusieurs mois depuis nous perdu ou bien depuis assassiné la Kaili le président de la République depuis le Sahara palais national li vide nous va gagner 21 mois vendredi qu'a venir là pour faire 21 mois depuis assassiné Jovenel Moïse palais à vide le pouvoir judiciaire. Même si sous Jovenel Moïse, il y a des gens qui devaient faire comprendre, c'est CSPJA qui est le pouvoir judiciaire. CSPJ, c'est l'organe administratif et disciplinaire du pouvoir judiciaire. Et il doit repenser. Parce que c'est un groupe politique qui t'a fait, qui t'a cherché, qui contrôle le pouvoir judiciaire. Il faut repenser CSPJA. Même je vais repenser CSPN. Et le pouvoir pancal de Ariel Henry, il saute faire. C'est vrai qu'il y a des accords, mais il saute rendre complet la Cour de cassation. Qu'on nécessite toute force vise la nation. Pas un parlement. Parlement écrasé. Jusqu'à présent, nous avons qu'il y a l'élection faite. Est-ce qu'il y a tout avec le Parlement? Les nègres profitent à bambiler. En tout cas, ils font bagay. Par rapport à la vidéo, ça. Oui, voilà. Garibodo, sanctionné. Après le Canada, c'est les États-Unis qui sanctionné Garibodo pour corruption. Et ils ont mentionné Garibodo de facilité pour ratification en premier ministre. Il y a une quantité d'argent qui est sorti dans le secteur privé. Il parlait de 500 à 6 millions, de 500 à 600 millions de goudes. Certainement, dans l'époque-là, je ne dis pas la 100 goudes. Je fais comme ça. Son l'argent qui est 6 millions de dollars américains. 6 millions de dollars américains à un taux de 100 goudes. Et on dit tout, Garibodo. C'est un monde qui facilite gangyo à taille banda en émo blanc est capable dit Garibodo c'est un monde qui mettait pays à côté il là Juno Jean-Baptiste. Bon c'est nous prendre où ça lia c'est des annonces de sanctions que département trésor américain a fait concernant député ancien député
Gary Bodo, qui c'était ancien président Chambre des députés à deux reprises entre 2018 et 2020. Et c'est comme ça, on compte qui ça que vous impliquez. Et ces restrictions de visa et puis gel de biens que concerné au gagnant dans le pays États-Unis. Donc Gary Bodo est tombé sous la coupe des sanctions des États-Unis. Et même j'ai avec plusieurs autres mondes, tant que sénateur, ancien sénateur Lambert, ancien sénateur Youla La Tortue, ancien sénateur Ronnie Célestin, ancien sénateur Foucan. Donc, et c'est des bagages que nous suivons. Et comme journaliste, comme observateur. Sauf que nous remarquons 5 mouns qui tombent sous la coupe des sanctions à la fois de Canada et États-Unis. C'est 5 anciens parlementaires de la 50e législature. Et nous gardons dans l'élément que dans l'ensemble de reproches que le département trésor américain fait à Gary Bodo, nous dit l'été organisé, l'été yon qui t'a organisé distribution de 600 millions de gourdes by des députés, la chambre des députés, pour te voter yon pour les ministres en 2019. Et sous prince Mbakwe gen nouvelle, c'est plutôt des lieux communs. L'homme dit lieux communs, c'est-à-dire que c'est des bagages tout le monde connaît. Monsieur Toutouni Okril dans l'Ivio 1, que Kob te baye en 18, en Kob qu'on a habitué baye dans 10, pendant tout 19e siècle dans le Parlement, pendant tout 20e siècle là, Kob baye en 2018 en pile l'argent, moto baye pour président Moïse avec ses conseillers à l'époque, GT Jean-Henri Séan, en pile l'argent te baye pour ça. Et Kob continue bail, donc c'est pas une nouvelle encore, c'est des lieux communs que tout Haïti, tout Haïtien habitué à ça, c'est une pratique historique. Jean-Michel Soukat a capable de dire. Donc, Parlement, c'est un espace de marchandage, de chantage, de grande corruption, toujours un gros l'argent qui baille, moto, du riz, pour, soit pour voter pour les ministres, soit pour jeter pour les ministres. Ma petite blague, qui est pas en blague, non? On va écouter passer en bas dans votre chambre des députés. Au grand député qui t'est levé demain, là, levé demain, là, un collègue qui dit, vous enlevez demain, là. Il dit, deux motos. Donc c'est que tu gagne pile moto que tu bailles, tu gagne pile du que tu bailles pour te jeter Jean-Henri Séan. Généralement ça qu'a fait dans le parlement, yo pas jamais fait. C'est pas la session qui bat en bas, c'est des batailles politiques terribles, des batailles politiques impitoyables, mais qui toujours symbolisées, qui toujours cristallisées autour de grands intérêts et généralement partage de pots de vin, partage d'autres biens. Et c'est toujours symbolisé et pratique ça. Yo. Donc, je dis à département trésor américain en deal. Yo deal, et me dit, si monsieur Toutouni, à savoir Georges Jean-Baptiste Pascal Adrien, yo écrit le livre avec suffisamment de recul, yo te deal, l'argent te baille, en pile comme t'es investi pour maintenir séan. Jeter. Chambre basse, maintenue au Sénat. C'est des pratiques courantes, traditionnelles, qui traduit état de déliquescence pays, comment corruption lisse un poison, comment corruption ligue un tentacule dans toute sphère en Haïti. Donc, je dis à les sanctions américaines, tout comme les sanctions canadiennes, comment vous. Je dis beaucoup de choses de l'État pays. Première bagaille que je dis de l'État pays, c'est que ça va vivre aujourd'hui comme situation de pourrissement total avec crime, cette grande criminalité qui apprend des dimensions vertigineuses, c'est en construction. Et cette construction-là, il y a des mouns qui participent là-dedans. Cette construction-là, ce n'est pas l'oreille qui cale, ce n'est pas l'oreille qui fait que en 2023, je vous dis, Haïti tourne en sorte d'otage des gangs. Et toute démarche
pour état tronçon ça qui fin craser depuis marine haïtienne Bizoton. Opération ça visé au faire image espace là c'est quoi magistrat Kafoua qui t'a lancé activité ça dans tête collée à Katis commune qui calte intervention qu'a fait dans zone là combien temps ça a duré avec qui matériel magistrat Gilles-Edouard Pierre qui était dans tête yo délégation sur site là a expliqué jeudi à DPT CDDO mettez à disposition mairie en pelle excavatrice. Nous gagnons un gridin, nous gagnons 5 camions, un bacolodin, 3 autres machines de la mairie qui sont disponibles pour nous faire une opération vraiment assez sérieuse sur récupération zone Bizoton, sur route nationale là, sur Dérail là, jusqu'à Foutama 43. Il y a deux problèmes nous identifier, c'est que il y a un curage qui va jamais fait dans le canal Step Over. Nous décidons avec Pella faire une quinzaine de jours là-dedans pour faire curage là, parce que c'est de l'eau ça qui montait, ce qui était sous chaussée, qui sortit depuis Bizoton 49, qui venait juste en Mamba Viaduc là. Donc on va faire curage là, il y a un canal Marceline dans là. Il y a plusieurs mois, pas jamais curé, il a pu tomber, il y a un problème. Donc nous décidons avec Pella pour nous faire curer ça. Week-end quartier, c'est comme ça l'autorité municipale Kafouyo relaie opération nettoyage ça qui doit toucher une bonne note quartier dans la municipalité, selon ça qui est expliqué. En plus, programme assainissement ça qui doit mobiliser moun dans la communauté. Tout petit machin pral dégapi dans l'espace ça qui je jodi a tourné un véritable marché public qui donc depuis jodi a marché Kafoua déjà mandé petit machin yo pour commencer batzel yo. Tout le monde qui gagne conteneur sur route là moi dis ça yo pas arrêté. Yo pas arrêté et avant longtemps la mairie a procédé à remorquage yo et nous demandons pour passer la main parce que les papiers pour signer justement nous va le déplacer parce que pas personne n'a gagné la moindre autorisation. On croit que Bizoton méritait mieux que ça la vive jodi à Fatra ça là. C'est pas que la mairie pas ramassé, c'est parce que le curage l'a pas fait. La mairie ramasse régulièrement, Fatra toujours là. Donc DPTC pas qu'à venir faire reprofilage, faire revêtement devant la marine haïtienne jusqu'à Fatama 43. Nous-mêmes, nous nous disons que, pas nous pelle là, n'a fait curage, n'a pas passé grédin, n'a passé rouleau, n'a fait ni de poulio, n'a essayé de faire correction sur yo pour rendre la circulation plus ou moins fluide. Et tout ça entre dans le cadre de préparation de ces cyclones qui, pas loin arrivé là, côté toujours un gros dégât dans la zone Bizoton, surtout les lapis tombés. Il y a une opération de nettoyage qui joue une bénédiction. Moun nan communauté a parmi yo artiste Kafouyo qui pas caché sentiment yo. Nous pensons nous-mêmes cap nous choisi mettre nous disponible pour nous travailler avec non seulement d'abord avec moun ki nan quartier yo et avec la mairie pour nous permettre que au moins même les pays a déjà nous connait pays a mais au moins propre a me penser que nous même comme moun jodi a la garder état santé nous garder tout et prévention nous doit faire parce que les gars la pique cyclone et pas laisser nous va faire hommage nous va chanter c'est ça c'est dans cadre ça objectif ça cap et tout artiste Kafouyo te mettre ensemble nous dit n'a joué une communauté et nous fait organiser yo et c'est ensemble avec nous travail nous fait comité yo et nous voulons tout le monde dans zone yo participer volontairement. En tout cas, c'est pas seulement environnement zone Bizoton qui pas bon du tout. Allez Fontamara, Matissan comme Carrefour moins passe 5 départements rete impraticable face avec la boue, de l'eau, fatra qui acheté l'arrière à l'agent comptant sans compter état tronçon ça qui fin craser jusqu'à route bicentenaire qui considère aujourd'hui comme un véritable dépôt 3. Jean-Georges Blaise, Caraïbe FM. Merci Jean-Georges Blaise. Et nous prenons le gagnant pour nous parler. Avec Gédédouard Pierre. Mais entre-temps, nous appelé plusieurs bâtiments qui logent le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle transformés en couille en série. Espace qui abandonné, fatra tout partout, toilette, dans mauvais état. D'après constat, le groupement national travail haïtien dans affaires éducation. Un constat qui montrait divers espaces qui logent le ministère pas approprié.
d'après Léo Junior qui mandé ministre là pour explication sous dossier localisation bâtiment ministère l'été annoncé à sous bon pas le responsable femme dans regroupement Dieu donne Jolivar critiqué ministre finance là qui pas prend aucune disposition pour nommer une série contractuelle qui gagne plusieurs années cap travail dans programme national cantine et scolaire. Dieu donne Jolivar à Léo Junior t'es dans micro collaborateur nous Reginald Rémy. Nous-mêmes qui travaillons dans le système éducatif, là, nous connaissons qui est important pour nous gagner cette sécurité. Nous avons une revendication, c'est un problème qui vient pour nommer contractuel qui qualifié et compétent. Plus précisément, nous avons une revendication pour PNCS, qui est le programme national cantine scolaire. C'est une branche dans le ministère de l'Éducation nationale. PNCS existait depuis 1997, qui quasiment va faire 26 ans. Jusqu'à maintenant, le processus de nomination n'a pas jamais arrivé à aboutir. Nous demandons tant pis pour le ministre, font des chita sous ça parce que c'est important. Là où il y a des employés contractuels qui l'a depuis 26 ans, qui n'ont pas de droit à assurance, qui juste abjure le chèque, qui connaît que les juste 12 mois, après 12 mois, ça, ils n'ont couru, parce que c'est important. Et il y a même des gens qui passent 53 ans, 54 ans, qui assurent ce qu'on